Rolande. Rolande. Oui, madame. N'oubliez pas, ce matin, vous passez l'aspirateur à fond. Et cet après-midi, les cuivres. Oui, madame. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Prenez des chiffons propres, surtout. Oui, madame. Vous ferez attention quand vous frotterez mon grand samovar. Il me vient de mon oncle Stanislas. J'y tiens beaucoup. Oui, madame. Et pour le déjeuner? Oh, des choses simples à cause des cuivres. On pourrait faire... voyons... Eh bien, allez-y. Qu'est-ce que vous attendez? Allô? Oui? Oui? Non. Monsieur Carton n'est pas encore rentré. Il sera là à l'heure du déjeuner. Demandez de la part de qui? C'est de la part de qui? Madame Trossy? Oui, Madame Carton est là. Oh, passez-la-moi. Allô, Odile? Odile? Oui, 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 c'est Charlotte à l'appareil. Non, non, Édouard n'est pas rentré. Coquelicot déjeune au collège comme d'habitude. Oui, oui, elle va bien, un peu rêveuse, tu sais ce que c'est. Oui, oui, toujours à l'école des Dames de Mondétour, près du parc Monceau. Un établissement sérieux, tu penses? À notre époque, il faut faire tellement attention. Oui, elle finit dans 2 mois. Aller à la faculté? Coquelicot? Mais impossible! Elle en serait incapable. Elle est beaucoup trop timide. Et puis, il faut bien le dire, elle n'a pas mon intelligence. Ah, elle a celle de son père, c'est tout dire. Oh, mais c'est assommant, on n'entend plus rien avec l'aspirateur. Arrêtez une seconde! Oui, tu m'excuses, Odile. Le lundi chez moi, c'est la lessive. Le mardi, l'aspirateur est cuivre. Bon, d'accord. Tu rappelles Édouard à midi. D'accord. Au revoir, ma chérie. Rolande, vous pouvez continuer. Allez-y, et vite! Monsieur Carton dirigeait une usine de couteaux à beurre et portait un pardessus croisé, ainsi que des chaussures en lézard. Son épouse, Charlotte, achetait ses bonnes en solde pour faire des économies et régnait sur tout le monde par des mollets d'infirmière major. Sa morale musclée et une poitrine abondante, bien que pudique. On se demande d'ailleurs pourquoi sa fille était aussi timide et pourquoi elle l'avait appelée Coquelicot. Dans une famille si bien, alors qu'il y a tant de choix pour les prénoms, Naphtaline, Pléonasme, Carême, Marie-Potion, que sais-je. Il y a toujours des erreurs dans les grandes batailles et dans les grandes familles. Salut, Rolande. Rien de neuf? Non, monsieur. Madame est là? Oui, monsieur. À table, Édouard, à table. Il est déjà presque 1 heure. Rolande a mis le gigot beaucoup trop tôt, comme d'habitude. Et de toute façon, à 3 heures, elle doit commencer les cuisines. Allons-y, allons-y. Alors, allez-y, rien de nouveau? Non, pas grand-chose. Enfin, si, si. J'ai une très grosse commande de couteaux à beurre. Ah bon? Oui, pour la Bulgarie. Très bien, très bien. Rolande, Rolande la moutarde. Et toi? Oh, comme d'habitude, je suis épuisée. Tu sais ce que c'est, toutes ces bonnes ne savent pas faire grand-chose. Ah, j'oubliais, ta sœur a téléphoné. Ah bon? Oui, je crois qu'elle n'avait rien à dire, comme d'habitude. Dis-moi, je voulais te parler... de Coquelicot.
Qu'est-ce qu'elle a ? Rien, rien, mais elle va avoir 18 ans. Elle quitte le collège Mondétour à la fin de l'année. Tu devrais l'envoyer en Angleterre. Tu plaisantes. Qu'est-ce qu'elle irait faire hein, là-bas ? Apprendre l'anglais. Elle a appris en classe, elle le sait suffisamment. Et puis, en Angleterre, on couche. Ça, je le sais, c'est la promiscuité. Les jeunes fument, enfin bref. Pour aller dans une faculté. Coquelicot ? Il n'en est pas question. Tu te rends compte ? Moi, à 18 ans, je faisais déjà l'école du Louvre. Non, non, elle est charmante, mais elle est comme toi. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je veux dire que s'il n'y avait pas eu ton père avant toi... Mon père, mais attention, hein ! Je ne sais pas ce que tu veux dire. Il y a l'intelligence des Cartons. L'esprit de commerce dans toute la famille Carton. C'est ça, c'est ça. En tout cas, pour Coquelicot, j'ai une idée. Laquelle ? Il faut la marier. La marier ? Oui, bien sûr. C'est ce qui peut lui arriver de mieux. Mais ça ne se fait plus. Comment ça ne se fait plus ? Chez les Cartons, peut-être. Non, enfin, je veux dire, les jeunes font ça tout seuls. Et puis, Coquelicot a le temps. Je ne suis pas de ton avis. Si j'ai fait le sacrifice de la mettre chez les dames de Mondétour, c'est parce que je savais. Je n'ai pas envie de prendre des risques. Je sais que la petite Rodogune, qui est en classe avec elle, prend déjà la pilule. Coquelicot la prend peut-être aussi. Sûrement pas. Il faudrait mon autorisation. D'ailleurs, mon gynécologue ne ferait jamais ça. Enfin, bref, moi, je vais prendre les devants. Je veux que ma fille, elle, au moins... Rolande, apportez-nous le fromage. Oui, madame. Voilà. Mon idée est la suivante. Un râler. Un quoi ? Un râler. Depuis 2 ans, dans les grandes classes, c'est d'accord avec la mère supérieure, il y a un râler. Une réception, quoi. Chez les uns ou chez les autres. Les garçons sont triés sur le volet. Et ce sont surtout les frères ou les cousins des élèves. Bien sûr, pas d'alcool, un peu de danse, mais surtout du bridge. La mère supérieure m'a dit, le bridge est plus prudent. Rolande, allez ouvrir. Et si c'est pour une quête, nous sommes absents. Je parie que c'est encore un représentant. Salut. Coquelicot, tu arrives déjà? Ouais. Les cours de l'après-midi ont sauté, il y a un prof malade. Fin de ses fins. Il y a encore quelque chose à bouffer ? Oh, je t'en prie, parle autrement. Rolande va t'apporter quelque chose. Assieds-toi. Ah. Justement, on était en train de parler de toi. De moi ? Oui. J'envisage d'organiser un râler. Ici ? Oui, pourquoi pas. Je pourrais inviter les copains ? Les copains ? Oh. Enfin, ça dépend qui. Ça serait dans le cadre de ton collège. Il y aurait tes petites camarades, leurs frères, leurs cousins. Oh, ils sont tous complètement cons. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ce langage ? Édouard, dis quelque chose à ta fille. Ta mère a raison, parle convenablement. Alors, qu'est-ce que tu penserais de cette histoire de râler ? Comme tu veux, je m'en fous. On ne sait vraiment pas comment te faire plaisir. Rolande, rapportez-nous un peu de fromage. Oui, les événements d'importance ont commencé très mal le jour du rallye chez les Cartons. L'extra passa les sandwichs, imperturbable, anonyme. Dans un coin, une chaîne de haute fidélité diffusait des 33 tours. Les 45 n'avaient pas voulu venir. À côté de la pile de disques, il y avait un jeune homme très bien. Il ne critiquait ni les sandwichs, ni la musique. Madame Carton l'avait déjà repéré. Il portait le nom terrible d'Armand Procédure. Vous dansez ? Si vous voulez.
Je sais que vous êtes à mon détour, comme ma cousine. Je connais ? Claudine Procédure. Ah oui, oui, je vois. Moi, je m'appelle Armand. Armand Procédure, comme Claudine. Je suis à l'école des hautes études commerciales. Vous connaissez ? Oui. On ne vous a jamais dit que vous étiez très jolie ? Moi ? Peut-être. Je ne sais plus. Vous avez l'air de vous embêter. On se demande encore ce qui a pu se passer. Peut-être est-ce la chaîne Haute Fidélité qui a refermé son piège sur le pied de Coquelicot, comme Madame Carton l'avait prévu ? Ou est-ce simplement parce que la jeune fille ne savait pas ? Ou qu'elle s'ennuyait ? Il y a des choses comme cela que l'on fait lorsqu'il pleut à torrent, et que l'on a déjà vu le film qui passe au cinéma voisin. Se marier, par exemple. Après le fameux rallye, Mademoiselle Carton revit le jeune Armand une douzaine de fois. Elle le trouva gentil, sérieux. Il l'invita chez ses parents. Madame Carton invita Armand à son tour et trouva qu'il était le mari idéal pour Coquelicot, qui avait besoin, disait-elle, d'être prise en main. Les fiançailles furent célébrées quelques semaines plus tard au cours d'un cocktail chez Monsieur et Madame Carton. Monseigneur le feutré, le général et Madame Bastamier. Cher ami, toutes nos félicitations. Monsieur Roland de Roncevaux. L'académicien. Oui, il est charmant. Vous connaissez sa femme? Mais si, Durandal. Oh, vous l'avez vue à Courchevel. Très gentille. Elle a fait beaucoup pour la carrière de son mari. Cher ami. Cher ami. Quel bonheur pour votre fille. Ils sont charmants tous les deux. On a prévu une surprise. Je suis sûre que monsieur de Roncevaux aimera beaucoup. Quoi donc? J'y ai fait venir un montreur de marionnettes. Oh, des marionnettes? Vous nous prenez pour des enfants? Pas du tout. Ils vont jouer du Marivaux. Oh, charmant, charmant. Coquelicot, je te cherchais partout. Je suis là, j'ai pas bougé. Il y a 5 minutes, en tout cas, tu n'étais pas là. Donne-moi la main. Écoutez, elle est complètement moite. Il fait tellement chaud ici. Oui. Est-ce que tu aimes les plages du Nord? Moi? Oui. Je sais pas, peut-être. Tant mieux. Oui, parce que mes parents ont une maison sur les galets. Je pense que nous y passerons toutes les vacances. Hein? Tiens, pour notre voyage de noces, ça serait pas mal, non? Hein? Qu'est-ce que tu as? Rien. Mais je crois que j'ai un élastique qui vient de craquer. Je vais aux toilettes 2 minutes. Tu reviens tout de suite? Oui, bien sûr. Vous savez que les cuivres vont monter. Moi, j'ai donné l'ordre. Comment faites-vous les pieds de valeur? Les Saint-Gobain se maintiennent. Vous les faites rentrer toute une nuit. Beaucoup de chapelure. Oh non, 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 patron, ça fait grossir. Qu'est-ce que tu fais là? Et vous? Moi? Je suis l'animateur de marionnettes. Viens pour la soirée, et toi? Je suis la fille de la maîtresse de maison. Hein? Mademoiselle Carton, c'est toi? La fiancée? Oh, c'est pas possible. Quel est ton prénom? Coquelicot. Coquelicot? Mais c'est fou. Oh, je te dis ça, je sais pas pourquoi. J'aime beaucoup ton nom. J'aime aussi le bout de ton nez. Moi, je m'appelle Orphée. Attends-moi là, je fais mon numéro et après. Après? S'il vous plaît! S'il vous plaît! Maintenant, mesdames et messieurs, je vous demande un peu de silence. Monsieur Orphée Pavot est parmi nous. Il va nous jouer avec ses marionnettes quelques extraits du jeu de l'amour et du hasard. Oh. À tout à l'heure. Oui. Thank you.
j'ai le cœur serré. Je ne sais ce qui se mêle à l'embarras où je me trouve. Toute cette aventure m'afflige. Je me défie de tous les visages. Je ne suis contente de personne. Je ne le suis pas de moi-même. Ah, je te cherchais, Lisette. Ce n'était pas la peine de me trouver, car je te fuis, moi. Arrête donc, Lisette, j'ai à te parler pour la dernière fois. Il s'agit d'une chose de conséquence qui regarde tes maîtres. Va la dire à eux-mêmes. Je ne te vois jamais que tu ne me chagrines. Tu dors, Romain. Je t'en offre autant, mais écoute-moi. Tu vas voir les choses bien changer de face à ce que je vais te dire. Eh bien, parle donc. L'état où sont toutes les choses, tu me forces. Franchement, ça n'a aucun intérêt. Je suis trop honnête homme pour n'en pas arrêter le cours. Soit. Sache que celui qui est avec ta maîtresse n'est pas ce qu'on pense. Qu'est-il donc ? Un valet. Après ? C'est moi qui suis Dorante. Ah, je vois clair dans mon cœur. Tiens, voilà le type qui fait le spectacle. Orphée ? Je ne sais pas comment il s'appelle. Alors, c'est terminé, votre truc, là ? Non, il y a un entracte. Je reprends dans quelques instants. Vous ne voulez pas venir voir dans les coulisses ? Oh, non, merci. Les coulisses ? Oui, enfin, je veux dire, derrière le décor, il y a tout un mécanisme. Enfin, je vous fais cette proposition comme ça, si la chose vous amuse. Il n'y a pas beaucoup de place. Oui, mais... oui, ok, très bonne idée, je viens. Armand, ça ne t'intéresse pas ? Oh non, non, alors vraiment pas du tout. Mais excusez-moi, vous savez, moi, les marionnettes ne me motivent pas. Oui, beaucoup. D'accord, alors à tout de suite, je garde mon sac. Hein. Dis donc, c'est ton Jules ? Ça a l'air génial. Je te remercie, je me marie avec lui le mois prochain. Oh, c'est pas vrai. Oui. C'est pas incroyable. Ah tiens, je préfère mes marionnettes. Allez, rentre par là. Voilà. Dis donc, Orphée. On aurait dû déjà commencer. Les gens vont s'en aller. Mademoiselle ? Ah bah, tu ramènes du monde maintenant en plus. C'est une amie. Elle a rien à foutre là. Mais je veux pas vous déranger, je m'en vais. Non, tu restes. Mademoiselle est la fille de la maîtresse de maison. Ah, bon, j'ai compris. Si c'est Mademoiselle Carton, ok, je m'excuse. Allez, allez, dépêche-toi, on commence. Coquelicot, assieds-toi là, ne bouge plus. Qui est cette dame ? Monique, mon assistante, ne t'occupe plus d'elle. Regarde, tu vois, les poupées commencent à vivre. Tu prends les ficelles comme ça. Tu peux regarder la salle par ce petit trou sur le côté. Je vois toute la famille. Ils ont tous l'air figés. Bien sûr. Le marionnettiste les a abandonnés. Où étiez-vous donc, monsieur ? Depuis que j'ai quitté Mario... Je n'ai pu vous retrouver pour vous rendre compte de ce que j'ai dit à Monsieur Orgon. Je ne me suis pourtant pas éloigné. Mais de quoi s'agit-il ? Oh, quelle froideur ! J'ai eu beau décrier votre valet et prendre sa conscience à témoin de son peu de mérite, j'ai eu beau lui dire... Ferme le rideau, Orphée ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne sais pas, mais j'en ai assez. Ça fait 3 ans qu'on se traîne partout avec ton théâtre, le théâtre Orphée, pour faire plaisir à monsieur, et... Oh ! Excusez-moi, je m'en vais. Ben non, tu pars pas. Ouais. Si elle ne s'en va pas, c'est moi. Ah, Madame Carton, je suis désolé. Coquelicot, qu'est-ce que tu fais ici ? Ben, nous sommes navrés, ma partenaire a eu un trou de mémoire. Alors... Oui, monsieur a oublié de me souffler. Il était tellement occupé ailleurs. Oh, je parie que Coquelicot vous a perturbé. Mais je ne sais pas ce que tu fais ici. Il y a Armand qui te cherche depuis un bon moment. J'y vais. Madame, monsieur. Il est charmant, votre spectacle. Vous donnez beaucoup de représentations à Paris. Oui, Coquelicot. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Je veux pas que tu parles comme ça. Il faut absolument qu'on se revoie. Qu'est-ce que tu veux qu'on se dise ? Écoute, je pars demain soir pour une tournée en Alsace. Je serai absent 4 semaines. À ton retour, je serai mariée. Tant mieux pour toi. À quelle heure est-ce que tu sors de ton bureau ? Il est vrai que tu dois pas travailler avec un appartement pareil. Je vais au collège. Encore ? Ah oui, alors ? Bon, peu importe. C'est où ton collège ? 25 rue Mondétour. À quelle heure tu sors demain ? 18h. J'y serai. Oh. Je passerai te prendre.
Oh, je parie qu'il sera pas. Par les tenues. Guylaine, tu peux me passer mon bouquin de philo? Ouais, si tu veux. Merci. Tu rentres chez toi? Ah non, on m'attend. Ton fiancé? Non, un autre mec. Un autre mec? Mm-hmm. Oh, dis donc, tu ne perds pas de temps. Non, enfin, oui. Elle est chouette, ton fiancé. Je l'ai vu l'autre jour à ta soirée. Armand? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Enfin, je sais. Terrible! Oh. Quel âge a-t-il? 23. Je trouve qu'il fait plus. Dis donc, il s'appelle Procédure, non? C'est drôle. Oui. Oui. C'est la seule chose drôle. Et dis, comment il s'en tire sur le plan... Sur quel plan? Écoute, tu vois ce que je veux dire? Non. Sur le plan sexuel, quoi. Mais j'en sais rien. Hmm? Comment? Comment t'en sais rien? Bah, tu l'as pas essayé? Mais non. Oh, mon femme, ma vieille. À quoi penses-tu? Mais écoute, j'en ai pas envie. Évidemment. Tu attends qui? Si je ne suis pas indiscrète. Bah, écoute, alors, tu vas rigoler. J'attends le garçon qui faisait marcher les marionnettes l'autre jour. Oh oui, oui. Oh, pas mal. Oh. Oh oui, le grand brun, mmh, avec ses cheveux longs, oui, et sa chemise à fleurs. Oui, bah, tu l'as remarqué. Oh, bah tu parles. Oh. Oh là. Dans le cocktail, il ne passait pas inaperçu. En ce qui concerne tes fiançailles, alors là, ma vieille, je te félicite. Ah, tu penses vraiment? Oh, bien sûr. Super, super. Où vas-tu habiter? Dans le 16e. Évidemment. Qu'est-ce que je voudrais être à ta place? Et ton appartement? Ah ben, ce sera celui d'Armand. Son père l'a lui acheté. 8 pièces au premier étage. 8 pièces? Oh ben, c'est un peu sombre aussi. À côté du métro? Oui, oui, oui. C'est le principal. Voilà, refait. Je te laisse. Oui. Salut. Salut. Je t'ai pas fait attendre? Ah non, 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 non. Non, je sortais. Prendre un café? Oui, si tu veux. Tu préfères pas plutôt marcher sur les quais? On est à 2 pas. D'accord. Alors? Ce mariage? On se prépare? Hein? Comment va la future madame Procédure? Oh. Moque pas de moi. Tu veux que je fasse quoi? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Tu as quel âge? 18. Ah, pourquoi tu continues pas tes études? Mais je suis pas douée, mon vieux. À mon détour, je suis les cours en auditrice libre et je suis minable. Oh, ça m'étonnerait, oh, ça. Mais enfin, écoute, si je te le dis, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Je suis coincée chez mes parents. Alors si je me marie, bah, j'aurai... T'auras quoi? Je sais pas. Hein? Je sais plus. Ah, moi, je sais, t'es en train de faire la plus grosse connerie de ta vie. Moi? Ah oui? Oh, bah, tu peux parler, hein? T'as pas l'air tellement à l'aise avec ton assistante. Monique? Oui. Bah c'est vrai, c'est un problème, mais contrairement à ce que tu peux penser... Moi, je ne pense rien. Ah bah j'espère bien que si. Monique et moi, nous nous sommes associés il y a 2 ans. C'est tout. Dis, tu me trouves jolie? Très. Moi, je te trouve beau. Ah bon, bah... Alors c'est très bien comme ça. Écoute, Coquelicot. Oh, Coquelicot, t'as vraiment un nom impossible. Quoi? Mais tu t'appelles bien Orphée. Ah oui, mais moi, c'est pas mon vrai nom. Comment t'appelles-tu? Chut, top secret. Oh. Orphée Pavot. T'as un joli nom de guerre pour un ancien prof de philo, non? T'es un ancien prof de philo.
traverser l'eau? Oui. Il fait comme ce bateau. J'ai rompu les amarres. Écoute, faisons la même chose. Hein? On casse les cordes. Casser les quoi? Les cordes. Je t'ai montré hier tous ces gens, tu sais, quand nous étions derrière le rideau. Tu te souviens comme ils avaient l'air figés, tristes? Oh, coquelicots, ils sont pas pour toi. Mais qu'est-ce que tu en sais? Il suffit de te regarder. Où veux-tu que j'aille? Avec moi. Avec toi? Où ça? En tournée. Je t'apprendrai mon métier. Bah, et Monique? Je t'ai déjà dit, pratiquement, je recherche un autre associé. Hein? Ou une? Bah, il me faut une voix de femme. J'ai dit un associé parce qu'à la limite, je veux pas d'histoire. Oh là là, il est 6h déjà, il faut que je rentre. Bah, on va pas se quitter comme ça. Hein? On s'embrasse au moins. Ok. On y va? Pourquoi tu fermes les yeux? Bah, c'est toujours comme ça, non? Au cinéma, oui, dans la vie, non. Allez, ouvre les yeux, ouvre-les. Voilà. Et viens. Viens. Je savais que ce serait merveilleux. Écoute, nous sommes si fragiles. Hein? Le temps passe si vite. Il ne faut pas nous quitter. Il ne faut pas. Attends-moi. Promets-moi de m'attendre. Je rentre dans 4 semaines. Je t'appelle à ce moment-là. Oui. Je veux bien. Tu me promets? Oui. À tout de suite. Rolande, vous avez pensé à arroser le linge pour le repassage? Oui, madame! Est-ce qu'il reste de l'eau de Javel? Encore un peu, madame. Oh, te voilà. Je me demandais ce que tu faisais. À quelle heure es-tu sortie de ton cours? Bah, comme d'habitude, mais j'ai été prendre un pot avec Guylaine Bedon. Ah, elle est charmante. Comment va madame Bedon? Je sais pas, j'ai pas demandé. Elle joue admirablement au bridge. Dis-moi. Je voulais t'annoncer une bonne nouvelle. D'abord, Armand t'a téléphoné 2 fois. D'autre part, Madame Procédure et moi-même, nous avons pensé que la date du 20 mars pour le mariage... 20 mars? Dans 3 semaines? Oui, et alors? Il ne faut pas 3 semaines pour se procurer une robe blanche et des faire-part. D'autant plus que Madame Procédure, venant de perdre son arrière-grand-tante, la réception sera... Oh, tout... Pas question! Comment pas question? Mais c'est beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt? Mais oui. Et puis d'ailleurs, je sais pas. Je sais plus. Je suis plus décidée. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, c'est sûrement Édouard. Édouard, te voilà. Et je n'en suis pas mécontente. Imagine-toi que ta fille... Oui, je sais. Comment tu sais? J'étais derrière la porte. On entend tout ici sur le palier. Mais qu'est-ce que tu en penses? Je vais aller la voir. Elle est dans sa chambre. Ouvre! Ouvre, c'est moi, mon père. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ta mère me dit que tu ne veux plus te marier? Non. Écoute. On n'est plus au Moyen-Âge. Si tu ne peux pas te marier, surtout à 18 ans, il n'y a pas péril. T'es de mon avis? Oui. Enfin, non. Enfin, je...
Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que tu as changé d'avis? D'abord, je l'aime pas. Armand est très gentil. Mais qu'est-ce que tu en sais si tu ne l'aimes pas? Ta mère aussi, au début, prétendait qu'elle ne m'aimait pas. Et puis, à force d'être dans le même lit... Oh, tu me révoltes. Mais c'est la vérité, ma chérie. Maintenant, si tu ne veux pas te marier, on peut te mettre, je ne sais pas, moi, dans un cours de secrétariat, par exemple. Je voudrais entrer au conservatoire pour faire du théâtre. Allons, bon, voilà autre chose. Qui t'a mis cette idée-là dans la tête? Personne. Ça m'étonnerait. J'ai rencontré Madame Bedon il y a un instant. Madame Bedon? Oui, la mère de ton amie Guylaine. Elle a l'air d'être très au courant de tes relations. Plus que ton vieux père. Alors, il paraît que tu as des rendez-vous avec le clochard, qui est venu présenter les marionnettes. C'est pas un clochard! Oh, un marginal, alors! Un prof de philo! Drôle d'allure pour un prof de philo! Enfin, peu importe. Il doit traîner une bonne maladie vénérienne. Qu'est-ce que t'en sais? Je sais tout, mon petit, moi. J'ai de l'expérience. Heureusement pour toi. Et je suis chargé de te protéger. Protéger? Oui. Tu n'es pas majeur, à ce que je sache. Dans 3 mois. Oui, donc pas encore. D'ailleurs, je vais te dire, je ne connais pas ce garçon. Il est peut-être très gentil. Il est d'ailleurs marié, entre parenthèses, avec la dame qui l'accompagne. C'est pas vrai? Si, mais si. Il t'a peut-être raconté des salades, mais moi, je sais. En tout cas, le problème n'est pas là. Je n'ai jamais voulu t'en parler jusqu'ici. J'ai actuellement de gros ennuis financiers. Et Monsieur Procédure, ton futur beau-père, m'a promis son appui, un appui indispensable, qui doit se concrétiser incessamment, si bien sûr, grâce à ton mariage. Enfin, je n'ai pas besoin de te le dire. Je ne savais pas. Mais non, tu ne sais pas, tu ne sais rien. Alors, ce mariage... Oh. Quoi? Mais quoi? J'ai tout le temps des pincements au bras gauche maintenant. Oh. Il faut que... Mais qu'est-ce que t'as? Oh. Oh. Mais papa... Papa, ça va pas? Il faut que je me repose. Non, je ne te l'ai pas dit, mais... J'ai été voir l'autre jour Martin, le cardiologue. Oui. Oh. J'espère qu'il exagère. Il m'a recommandé d'éviter toutes les émotions. Tu veux, alors, tu m'as caché? Tu veux une compresse froide? Tu veux que je téléphone au médecin? Non, 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 ça va, ça va. Ça va mieux. Alors, de quoi parlait-on déjà? De rien. C'est inutile, je suis d'accord. Non, mais écoute, ma chérie, non, mais je ne veux pas te forcer, hein. Il n'est pas question. Arrête, de... c'est réglé. Laisse-moi seule, veux-tu? Enfin, ta mère. Ma mère, laisse ma mère où elle est, je t'en prie. Dis-lui que c'est d'accord, c'est tout. Et foutez-moi la paix. Alors? Alors, c'est oui. Comment as-tu fait? Écoute, Charlotte. Je ne suis pas devenu le roi du couteau à beurre sans un minimum de sens psychologique. Oh. Je lui ai vraiment fait le grand jeu. Mais vois-tu, je suis certain que c'était pour son bien. Coquelicot est resté seul dans sa chambre. Tout a disparu soudain. Plus rien. Que des lèvres serrées qui s'agitent en murmurant des phrases. Les dents. L'autorité. L'ordre crié. Derrière la glotte en stalactite. Tu sais bien qu'il ne faut pas mettre les coudes sur la table. Ni montrer du doigt. On doit être prêt. À l'heure.
on doit être exact. À la mairie, en place. À la guerre, il ne faut pas faire la mort buissonnière. Qu'est-ce que vous pensez d'une messe samedi prochain? À 11h. J'ai tout arrangé pour son appartement. Elle aura des placards, beaucoup de placards. C'est tellement important. C'est vrai, comme le métro. Il n'arrive pas dessus. Trop tard. Le cauchemar de Coquelicot se poursuit. Les cloches, toujours du côté du plus fort, se mettent à sonner pour rappeler qu'elles sont conservatrices et que le droit chemin attend Mademoiselle Carton. Et Armand arrive en habit noir avec un grand filet à papillons immense qu'il tente d'abattre sur Coquelicot qui se met à courir. Elle court à travers les pièces, les lambris, les dorures, poursuivie par le filet. Non, non! Elle voit la sortie. La porte s'ouvre. Dans un salon en stuc où les invités attendent, la moulinette en tenue de gala, le robot ménager en smoking blanc, le congélateur pétrifié, le fer à repasser en grand uniforme et Madame Procédure qui parle avec une énorme machine à laver, ventrue et prétentieuse. L'amidon, je ne crois qu'à l'amidon. On devient trop faible avec l'échelle. Non, non. Mais quelques jours plus tard... Dépêche-toi, Coquelicot. Les procédures viennent d'appeler. Ils partent à la mairie. Armand te retrouvera là-bas. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle en blanc. Roland, devez-vous venir à la messe tout à l'heure? Ben, je sais pas, peut-être. Mais bien sûr, venez même au lunch. Enfin, vers la fin, vers 21h. Au fait, qu'est-ce que j'ai fait de mes gants? Vous pouvez aller me les chercher, Roland. Oui, madame. C'est ridicule. Pourquoi la fais-tu venir? Ne t'inquiète pas. À la fin, il y a toujours des restes. Bonjour, mes chéris. Oh, voilà Odile. Oh, Coquelicot, ravissante. Quand je pense que tu as été souffrante. Mais vraiment, ça ne se voit pas. Ta robe blanche est merveilleuse. Que tu es belle, ma chérie. Alors, cette maladie, à propos, ça n'a rien été. Ne parlons plus de ça. Édouard, est-ce que la voiture est là? Elle arrive, je suis passé chez le fleuriste. Bonjour, Édouard. Oh, oncle Germain, tante Rose, on n'attendait plus que vous pour partir. Édouard, quel grand jour. Coquelicot, tu ne dis pas bonjour à ta tante Rose? Salut. Qu'est-ce que les mignonnes en blanc. Ah, voilà la voiture. Oh, elle est pleine de rubans, c'est ravissant. Mince, qu'est-ce qu'il y a comme fleurs? Qu'est-ce que mademoiselle a de la chance. Allons, allons, pressons-nous, il ne faut jamais faire attendre un marié. Allons-y, allons. Et on klaxonne jusqu'à la mairie, c'est la tradition. Oh oui, j'adore ça. Coquelicot, Coquelicot. Ah, oh, tu n'es pas parti. Parfait. Arrête, n'y va pas. Écoutez, monsieur, je ne sais pas ce que vous venez faire ici. Vous, foutez-moi la paix, hein. Coquelicot, arrête. Mais c'est trop tard, tu sais. Tu vois, je suis attendue à la mairie. Qu'est-ce que c'est que ce type? Tu ne le reconnais pas? C'est le montreur de marionnettes. C'est lui qui lui avait monté la tête. Mais c'est inadmissible. Qu'est-ce qu'on vient faire ici, ce garçon? Tiens, voilà justement Armand. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vous attends depuis un bon moment devant la mairie, moi. Orphée, va-t'en. Oh, va-t'en, va-t'en, Orphée. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Viens, viens. Orphée, viens. Vite, dépêchons-nous, monte vite. Sinon, ils vont nous tomber dessus. Attention, t'envoies les coincés dans la portière. Mais où on va comme ça? T'inquiète pas. On va droit devant nous. Et on s'arrêtera dans les baies. Et après? Après? On va tous les deux en tourner. Tu vas voir, tu vas jouer la comédie. Tu vas apprendre à contrefaire plusieurs voix. Et surtout, tu vas découvrir des pays extraordinaires. On va partir d'abord au Grand Oblique. Puis au Pariétal. Pariétal? Ah oui, c'est formidable, Pariétal. Le Pariétal est couvert de palmiers et bordé par l'Océanie. Ensuite, le pays des aréoles. Le pays des aréoles? Tu ne connais pas?
Pourtant, c'est là que poussent tous les coquelicots du monde. Ce que l'on aime à mourir. Allô, oui. Oui, Tante Charlotte. Tu sais que le mariage d'Armand n'a pas eu lieu. Ah, mais heureusement. On a appris depuis que la fiancée était complètement folle. Oui, la petite carton. Elle est partie en deux chevaux avec un aventurier. Oui, en blanc. Juste avant d'aller à la mairie. Et dire que nous avions eu de si bons renseignements sur elle auprès de la directrice du collège de Mondétour. Tu te rends compte?